Ladies and gentlemen, bonsoir à tous, c'est Dark Evan et bienvenue pour un nouvel épisode, ça faisait longtemps, de Momomoduction. Et bien entendu, je ne suis pas tout seul puisque je suis en compagnie d'Atlantica. Bonsoir Atlantica. Bonsoir. Et nous avons également Tommy alias Dark Shadow, bonsoir. Bonsoir. Tu viens en vocal ou pas, j'ai dit qu'aujourd'hui ? Je ne sais pas. Oh, je ne sais pas. Peut-être. Bonsoir. Je suis là. Bonsoir. Elle va peut-être arriver après. Ah bah voilà. Elle est là. Bonsoir Gigique. Voilà. Et d'ailleurs, je dois finaliser un truc que je vais voir avec Clem, parce qu'il y avait un truc au niveau de l'optimisation, du coup, de la farm. Alors, première chose, donc, j'ai vu dans les commentaires des gens qui voulaient... Hop, j'ai pas vu. Tommy Dab, Clé Dab, Darky Dab, Azen Dab. D'accord. Très bien. La page... c'est Atlantica, passion, statue. Toujours dans la passion des statues. C'est juste là aussi. Je voulais répondre rapidement, alors ça c'est plus pour les commentaires YouTube, mais pour répondre un petit peu, parce qu'il y a des gens qui m'ont donné des conseils au niveau de, par exemple, d'optimiser mes farms forestry, par exemple en parlant de modes comme Agricraft, Draconic Evolution, etc. Alors, oui, mais bah non, c'est pas présent, vous l'avez dans la description, je vous le dis à chaque fois, donc voilà, c'est surtout pour les gens sur YouTube, je rappelle, si vous voulez me proposer des conseils, il n'y a pas de souci, mais proposez-les avec des modes qui proviennent... Vous avez tous les modes en description, j'ai mis les plus gros, ceux qu'on utilise, etc. Donc y a, vous pouvez pas vous tromper, hein, ceux qui sont dans ma description sur YouTube, c'est ceux et qui vont eh bien, tout simplement m'aider. Si vous me balancez un mode à côté, je vais pas le rajouter justement pour faire le truc, c'est pas le but. Le but c'est de jouer avec ce qu'on a justement, hein, bien entendu on utilisera plus tard les choses. Parce qu'effectivement Agricraft permet de démultiplier les seeds, qu'elles puissent en fait quand on les a coupées, etc. On les fait produire au fur et à mesure, elles deviennent de plus en plus rentables, hein, puisque après quand on pète une graine on récupère des stacks de produits, etc. Donc ça c'est cool, mais ça ne nous intéresse pas forcément. Voilà. Et donc là, Clem, j'ai besoin de ta petite expertise parce que je suis pas encore assez bon avec Mechanism. J'ai tenté un truc avec un Quantum et ça n'a pas fonctionné. Donc on va retourner voir notre petite ferme. Donc elle a très bien produit, hein, bien sûr. Bon, malheureusement, comme je l'avais pas automatisé comme je voulais, j'ai pas pu remplir mes coffres comme je le voulais. Parce que, alors là, j'ai fait une récolte il y a pas longtemps. Hein, donc le coffre est plein. Et donc là, j'ai voulu rajouter un nouveau Logistical Sorter qui serait contenu. Donc dans un Quantum, voilà, vers qu'est-ce que je fais. Alors je te montre ce que j'ai voulu faire, Clem. C'est qu'ici actuellement j'ai déjà, donc le filtre là fonctionne bien, hein, c'est-à-dire que donc les items et les graines viennent ici, d'accord. Donc ensuite ce que je voulais c'est simplement avec un nouveau Logistical Sorter filtrer la chose, donc là j'ai mis un filtre, tu vois, le filtre pour l'essence, et qu'en fait ça rentre dans un Quantum et qu'il l'envoie directement là-bas, un Quantum qui est, d'ailleurs je l'ai créé, hein, j'ai mis un Quantum qui est relié à un import bus pour pouvoir le rentrer directement dans Applied, comme ça que ça permettrait donc de produire ça à l'infini sans que j'ai à m'en soucier, et que tous les jours comme ça on ait des ressources d'essence, et comme ça on n'a plus besoin d'en parler. Sauf que ça s'est pas exactement passé comme prévu. Ouais, je pense que t'as mal réglé les faces. Exactement. C'est un problème de réglage de face. Tu vois, voilà, je l'ai mis là. Je l'ai mis juste ici. Donc voilà. Et je l'ai mis à une fréquence. Donc j'ai mis la fréquence farm 1 Dark Evan. Ah, vous êtes rentré. Tiens, ouais, je suis rentré au niveau de l'AE pour que tu vois un petit peu. Et je pense qu'il y a un réglage que j'ai mal fait parce que du coup j'ai pas réussi à le faire. Et donc voilà, donc là il y a l'import bus. Et donc l'idée, donc vous voyez, j'ai mis des acceleration cards, etc. Salut Pete. Voilà pourquoi ça marche pas. Pourquoi ? Dans les sides, dans item, ouais. T'as bien mis auto eject, mais t'as pas configuré les faces en output. Ils aiment tous. Ouais, mais il va falloir configurer l'autre aussi parce que je pense que l'autre aussi, il y a un souci. Attends, non, c'est celui-là, fréquence farm 1, c'est celui-là. Tiens, hop, celui-là que j'avais configuré. Ah, comme ça tu verras. Ah, j'ai récupéré les deux, alors attends, je te passe. Farm 1, hop, voilà. Donc là, j'ai mis mon filtre avec les essences et le but donc c'est qu'il absorbe tout. Alors, ça config. Ouais, lui il est en output en fait, t'as inversé les deux. Ah, j'ai inversé, putain. Alors attends, j'attends de voir. Vous avez bien config, mais. Ah, bon, ça fonctionne, non. Yes. Merci Clem. Voilà, ça veut dire que maintenant, il est totalement automatisé. Ça veut dire que ça y est. Maintenant, parce que vous voyez là, je commence à avoir des trucs là. C'est que toi tu veux qu'il impérativement qu'il y ait au moins un stack pour qu'il le prenne, c'est ça? Tu vois, 63, il le prend pas, il attend qu'on ait 64. Et... Ah, oui, d'accord, c'est la nouvelle, d'accord, ok. Non, c'est juste pour qu'il fasse moins de bruit, moi, c'est ce que j'avais fait. Ah oui, pour que ça fasse moins de bruit. Bon, après, on peut mettre des updates de bruit. J'ai vu qu'il utilise. Non non, pas dessus. Passe pas là-dessus. Le seul moyen de le faire taire, c'est un son muffler. À tous ceux qui rejoignent, parfait, voilà. Merci pour le follow. Parce qu'en fait, de temps en temps, il récupère aussi les Inferium Seeds, et donc il va les replanter. Mais du coup, quand il est plein, là, c'est bien parce que, voilà, il est... Oh putain, il les a restock trop vite. Ou soit c'est parce que je les ai laissés, enfin peu importe. Et en tout cas du coup ça permettra donc là
Bon, la dirt, de toute façon, il la recycle. Donc là, ici, voilà. Donc là, je vous montre un peu ce que j'ai fait. Ah oui, il va replanter. Ah, les graines, il les remet. Ah oui, mais alors, attends, je peux pas faire l'un et l'autre. Donc là, on a un filtre qui rebalance la dirt. La dirt est redistribuée ici. Parce qu'il y a toujours besoin de dirt. Et à chaque fois, il la recycle. Donc il la récupère, il la renvoie pour la remettre. Et là, par contre, ici, en sortie, on a l'inferium essence et l'inferium seeds qui partent dans l'AE. Et l'AE qui est géré à l'import bus. Et donc, du coup, on a 101K d'inferium essence. Ok, parfait. Bon, bah merci. Bon, le passage est terminé. C'est bon, on va pouvoir passer maintenant à une partie un peu différente maintenant. Tommy, c'est oui. L'épisode de Pi. C'est... Oui. On est parti pour faire. Alors aujourd'hui, c'est l'objectif du jour parce que ça, c'était juste le petit truc qu'on voulait faire. Voilà, mais voilà, c'était juste le petit détail. Merci Clem pour ton intervention qui permet de voilà d'avoir une farm automatisée. Donc malheureusement, pas de gros accélérateurs, hein, vous le savez. On n'a pas pu les mettre. Par contre, maintenant, nous allons nous faire un garage, un gros oui. Garage. Alors, est-ce que le garage, on le met dans la baraque qui est tellement grande? Mais ah, remarque, j'ai besoin des salles. On aura besoin des salles plus tard. Donc. Non, pas dans moi, la je dirais non. Non, pas dans la baraque. Non, pas dans la baraque, parce qu'on a d'autres projets pour la baraque. Donc, pas moi, je l'aurais mis, genre, ici, tu vois, mais il faudrait reboucher au-dessus, et je l'aurais mis, genre, là. Un garage avec un toit, du coup? Tu veux faire un toit ouais. Par-dessus ça? Mais Clem, il est d'accord? Est-ce que tu es d'accord, Clem? Est-ce que tu es d'accord? Qu'on fasse un garage sur ton truc. Et là, avec, genre, des espaces de 4 ou de 5, tu vois, première porte de 5, espace de 2, reporte de 5, espace de 2, et reporte de 5, ça ferait une grande porte, et on mettrait plein de véhicules à l'intérieur. Yes. Moi ça me va, et surtout parce qu'on a les blocs de Malice Isidore qui vont nous permettre de faire des portes de garage, des vraies portes de garage. Et du coup, ok, on fait un garage ici. Alors on recouvre de quoi? Alors je pense que pour un garage, on va repartir un peu sur la même base que... alors attends, voyons ce qu'on a un petit peu en stock. Par contre, attends, on parle d'un garage, pas d'un aéroport, peut-être que... Oh remarque, ouais, mais on aura tellement de trucs. Si, ouais, si, il y aura masse ouais, trucs ouais. En vrai. Ouais, ouais, on a tellement de trucs, on a même des avions, donc ouais, non, en vrai, des coups de main ah, énormes merde. Là-dessus. Ah, j'ai le téléphone. Ah, y'a pas le « Ah, ouais. Pourquoi tu m'aimes encore ?» Non, j'ai coupé avant, parce qu'évidemment, comme j'ai dit, d'ailleurs, c'était pas cette chanson-là. Oui, je sais. Et j'ai dit à Stoptout à qui me l'envoyer en SMS, donc, bah, c'est ce qu'il a fait. Moi, j'aimais bien la chanson, c'est vrai. Je t'ai vu la gueule, mais c'était vraiment... Alors non, ça, c'était Christina Aguilera, Heart, ah, c'est voilà. Quand ma mère m'appelle. C'est la sonnerie quand ma petite maman m'appelle. Donc voilà, vous savez tout maintenant. Alors, donc moi je propose que les garages, peut-être ça sorte d'ici, hein, peut-être contre ce mur là. Hein? D'accord, ok. Non, qu'est-ce que t'en penses? Ah si, vas-y, hein, pas de soucis. Ok, allez, on y va. Excusez-moi les gars. Salut Boone. Bonjour, les... Pseudo Minecraft, vous me les envoyez à moi. Moi c'est Gigic. En MP enchanté, Twitch Gigi. Ou sur enchanté, Discord. Gigi. On est très heureux de te connaître, Gigi. Ça fait une semaine, j'ai pas bu. Bravo! Et on applaudit Gigic. Ça bravo, fait Gigic. Tellement ça. Donc ça y est, les nouvelles émotes dont on a parlé sont en train de se faire, elles sont en train de se créer, donc ça y est, vous allez avoir bientôt les nouvelles émotes. Alors le garage, ouais, parce qu'on fait un truc et puis après ce sera un peu zone de test, mais déjà pour le garage on fait des pièces comme ça, tu vois, moi j'imagine un peu la ligne droite comme ça dans ce sens-là, au fur et à mesure, tu vois. Bah, tu sais, genre les murs en général au garage ils sont un peu genre bleu foncé ou... Ouais... Je sais qu'au garage je vais, genre par exemple le garage Peugeot... Alors, voilà... Là on continue. Alors bon, je t'avoue que le design de garage, hein, moi c'est surtout les designs d'intérieur. Hein, le reste, voilà, c'est là j'en ai aucune idée, mais c'est pas très grave. Parce que nous en fait, ce qui nous intéresse surtout là, c'est qu'après on va faire des véhicules. On va pas pouvoir faire des véhicules tout de suite d'ailleurs, mais je sais ce que je vais faire. Je vais mettre un autre truc en place. Déjà on fait les murs, voilà. Et alors tu vois, l'idée, c'est qu'on découpe ça en plusieurs garages. Ouais, ouais. Et alors là, je vais te montrer parce que tu vois, c'est trop stylé. C'est à partir de là que ça commence à devenir stylé. Ouais, ouais, montre-moi, ouais. Ah ouais, tu vas voir. Regarde, regarde. Quand tu vas voir, ça tue. Oh, mec, tu vas voir, ça... Regarde. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5. 5 d'entrée, c'est pas mal. Tu sais quoi, j'ai appris un truc. Il y a quelqu'un qui m'a... Qui t'a dit que tu m'aimais, c'est pas ça, mais... Non, ça... C'était trop facile. C'est quand je suis parti chez Az, on m'a dit... un tic de langage. Bon, j'ai beaucoup de tics de langage, forcément, comme tout le monde. Il y a des mots qu'on adore utiliser. Oui. Par exemple, bien entendu. Moi, j'ai toujours bien entendu. Mais alors, il y a un truc que j'avais jamais tilté que je dis, et là, ça m'a choqué. C'est je suis en mode. C'est vrai que tu le dis beaucoup, ouais. Je suis en mode. Et en fait, depuis qu'on m'a dit ça, ça m'a brainé le cerveau parce que je suis en mode. Mais oui, mais je dis. Voilà, tu vois, par exemple, là, je viens de le dire naturellement.
Le je suis en mode, je le dis constamment. Ça me perturbe. Genre, je sais plus quoi faire. Ouais, genre... Garage. Garage. Shadow Heaven Garage. Genre, on peut pas écrire ça du tout. Mais... J'ai mis un volant dans ta voiture. C'est vachement pratique, quand même. C'est facile pour rouler. Là, c'est la partie rigolote que je vais aller faire vite fait. Je te montre, je te laisse la surprise que tu veux sûrement... Ah voir. Oui. Mais ferme les yeux. Ouais, allez, allez. Là, ça va être sympa. Alors, attends, bouge pas, juste le temps. Vraiment retourner. Hein. Le temps que je le craft, hein. Le temps que je le craft. Bah, en fait, tu vas peut-être le voir en live, mais attends. Je ferme le live. J'éteins tout, je ferme le PC. Reviens, Tommy. Non, trop tard. Tant pis. Ah merde, j'ai pas... Attends. Oui, non, parce que ça sera pas impressionnant si je crafte pas un petit levier. Je m'accroche. Ferme les nœuds. Vu que je connais pas le mode d'emploi, forcément, ça va être foireux au début. Tu sais, à chaque fois, j'essaie de t'impressionner. Tu sais, tu connais ce moment oui. où j'essaie de t'impressionner, à chaque fois, ça part en couille. Bon, c'est parti. Tu sais que j'ai déjà eu ça en formation. Genre, je leur ai montré un truc. J'aurais dit, regardez, et là, ça marche. Et là, j'étais en mode, merde, ça marche pas. Et en fait, j'avais juste inversé deux fonctions. Et heureusement, il y avait que ça comme erreur. J'aurais dit, regardez, là, ça. Bah, ça marche pas. Regarde. Get ça. Là, si je tue. Droit. Eh, c'est beau, hein. C'est très beau. Ah, ça c'est dommage. C'était presque bon. Eh. Attends, je me retourne, je n'ai rien vu. Attends, on fait genre t'as rien vu, d'accord. Eh, Tommy, j'ai un truc super à te montrer. Mais attends, parce que... Tu te retournes. C'est une surprise, c'est pour toi. Ah, pas encore. Eh, Tommy, bon, regarde ça. C'est bon, regarde. Je me retourne. Regarde ça, Tommy. T'aurais peut-être dû tester. Non, regarde pas, Tommy. Ouais, ça a pas changé, on a changé la forme du levier. Bonsoir Tom. Oh. Mais alors pourquoi? Ah, celle-ci elle va bien. Excusez-moi. Quoi ce délire? Alors attends. Mais attends, mais qu'est-ce qu'on a fait de... Non mais rien, rien. Rien. Je te jure rien. Construisez pas la porte en shift, ouais. Ah, pas en shift. Ah. Pas en shift. Ah oui. Ah, c'est shift, il faut shifter. Shift, vas-y, re-shift. Ah ouais, si je shift, ça marche. What the fuck. Tu vois? Oui, faut shifter. Faut shifter. Voilà, maintenant vous savez. Yeah, Tommy. C'est génial. Tu veux voir mon garage? C'est exceptionnel. Regarde ma garage. Ok. Wow. Ça fonctionne. Et c'est en super. Plus, il a failli se faire couper par la porte de garage. Donc, il faut bien juste shifter, en fait. Tu veux que le truc vienne vers toi, tu shift. Tu veux qu'il vienne pas vers toi, tu shift pas. Toi, je peux faire même faire les autres. Hop. Salut, y'a rien. Faire une course. J'ai pas de voiture, on fait à pied. Ok. Ah, tu fais comment pour ouvrir le garage? Bah, on va remettre des leviers de l'autre côté. Ok. Bah, ouais, je pense. Ouais, ça marche. Mets des boutons à la place des leviers, ça serait mieux. Oui, au pire, on va mettre des boutons, ouais. Ouais, le bouton, c'est facile ça. Ouais. On appuie et c'est tout. Clem, il est resté devant sa porte, comme ça, il est là en mode quelle belle porte quand même. C'est une belle porte. C'est de l'art. Hein. Regardez ça, ce verrou. Vrai, oh. Ça. À chaque fois que je clique dessus, ça. Oh, oh. Ah, tu le sens. Oh, oh là là, Clem. Oh, on clique cette dessus. Porte à verrou. Oh. Oh. Oh mon dieu. Oh. Pff. Il n'en décroche pas. Hein. Voilà. Impeccable ça. Pour l'instant, gars, on fait un garage public parce que j'ai pas trop d'idées. Après, peut-être qu'on fera un petit logo dessus, genre pour faire notre oui. garage. Mais voilà, je vous avoue que pour l'instant, zéro idée. Faut qu'on mette de la lumière aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a en lampe? Attends, parce que. Donc, on avait ces fameuses torches là. Mais alors, attends, faut que j'aille jouer un petit peu light. Viens, on va faire des tests dans le. Dans le Craftibus. Yes. Craftibus magique. Le Craftibus magique. Allons faire nos expériences dans le laboratoire. Le laboratoire de Dexter. Dans le laboratoire de Dexter. Si j'ai pas dit au moins Dexter trois fois dans chaque épisode, laisse tomber quoi. Alors. Et tu vois. Ça éclaire pas beaucoup. Hein. Ouais, c'est pas grand. Pas énorme. Ouais, on te dit qu'il aurait fallu l'augmenter d'une hauteur au moins. Bah, on va l'augmenter. Hein. Vas-y, on va faire ça. Ouais, qu'on l'augmente d'une hauteur, ouais. Vas-y, et est-ce qu'on, que même qu'on l'agrandisse peut-être de 2 encore. Ouais, augmente-le de 2 ou 3. Voilà, j'ai augmenté de 3. Est-ce que c'est assez? Ouais, c'est bien ça. Ouais, ouais, ouais. Non, t'inquiète, je vais voir. Ouais, t'inquiète, frère, je connais. T'inquiète, moi, je suis en totale possession de mes moyens, frère. On me l'a fait pas. Je suis en total impro. T'inquiète, je sais. Ouais. Paf, voilà. Le alors les gens se posaient la question pourquoi on fait un garage. Bon, la réponse est assez évidente, c'est qu'on a le mode véhicule, celui qu'on utilise pour Crafting Racing, avec des add-ons en plus. Et donc on a pas mal de petits trucs. Et du coup, un des objectifs était aussi d'avoir les véhicules.
Et donc forcément, bah, c'est ce qu'on va faire. Vous voulez pas faire deux de hauteur, les vitres? Je préfère deux. Si, je peux faire deux de haut, hein. Je sais pas, c'est ça. Ouais. Je fais trop... Viens voir, Toby, je me pose une question. Petite question toute simple, mais pour le réalisme, est-ce que il faudrait pas faire ça? Ah oui, pour... oui. Et avec une sorte de surélévation, là, ici, tu vois? Ouais. Comme ça. Merde. Pour que ça donne le côté, tu sais, parce que sinon la porte de garage, t'as l'impression juste qu'elle sort de nulle part. Alors que là, ouais, carrément. Mais même on préfère un petit étage, genre comme si c'était des bureaux, des conneries comme ça, tu vois. Ah, on a pas merde, de truc dans le micro. Mais il s'est tombé dans les vapes, le micro dans le nez. Merci pour le boulot. C'est en train. Que ce soit. Après, au niveau des lumières, on verra plus tard. On va déjà après habiller la pièce. Ouais, mais et après, qu'on voit un peu, voilà. C'est que ah ça... oui, qu'on voit en attendant, ouais. Et voilà. Pour que ce soit quand même visible. Tu vois, là, c'est pareil, on peut mettre des petites lampes là, ici. Paf. C'est un garage où tout le monde voudrait aller. Il sera tellement. Oula. Réputé. Alors là, permets-moi d'en douter. Hein, pas aussi optimiste, mais ok. Bon, on va dire que la base, on l'a faite. Bon, Tommy, si t'as des idées et que t'as envie de rechanger, fais à ta guise. Très bien. Ici, on pourra peut-être mettre des statues ou des trucs. Soit un logo, soit une statue. Parce que je sais qu'à un moment, on avait un challenge qui avait été proposé par les viewers de YouTube qui avaient proposé de mettre la team, etc. Donc, on peut faire le garage Dark Shadow, Dark Heaven. Hein, ça peut être rigolo. Le DD, hein. DD. Peut-être même. Peut-être faire un truc en mode un logo DD. Et tu vois, tu rajoutes le. À l'intérieur, un autre D. Un autre D comme ça, ouais. Ouais. Ouais, je vois, ouais. Pensez à ça aussi. Mais vu que c'est pas assez grand, au pire, on le fera sur le toit. Ouais. Qu'est-ce ceci ? Alors, il va nous falloir, parce que forcément, on va avoir du stuff, des trucs. Hein. Il va nous falloir la petite workstation. Donc voilà, on va faire la workstation. T'as qui demande de la raid concrète. Donc ça va, on en a. Et il nous faut une table de craft. Alors. J'avais crafté des centaines de tables de craft, il n'y en a plus. Tu vois, comme quoi, hein, comme quoi. Alors, petite workstation dans le fond du garage, hein, bien sûr. Oh, il nous en manque. Il manque quoi, là? Un coffre. Ah, putain, c'est pareil, les coffres, on a pu. Est-ce que ça, c'est... Pourquoi ça te prend 4 coffres directement? Ah bah, vas-y. Ok. Parfait. Ok. Voilà, là, on a des workstations. On va nous falloir des jacks. Avec un electric engine. Voilà. Donc là, on va faire... Hop. Le jack. Parfait. Là, pour commencer, il va nous falloir une wrench, comme ceci, qui demande de la grès concrète. C'est parfait. Bon, ça tombe bien, on en a plein. Donc ça, c'est nickel. Ensuite, alors, il va nous falloir notamment des raffineries, et notamment donc, le fluid extractor et le fluid mixer, hein, qui vont être donc les deux qui vont nous permettre de produire du carburant. Fluid extractor, c'est fait. Bonsoir, Vastot. Le fuel drum... Alors, fluid mixer qui demande un brewing stand. Putain, j'ai pas de blaze rod. On va commencer à équiper un peu le garage, même s'il y aura pas grand chose pour l'instant. Ouais, mais c'est on va mettre notre station de travail, on va la mettre dans le coin au fond à gauche. Voilà. Et voilà. Didier, la caouti. Ça, c'est sympa, ça. Et donc là, ouais, on va. Déjà bien. On a la wrench. Et donc ici, tu vois, quand tu cliques dessus, tu peux choisir ce que tu veux. Et alors, il y a des trucs qu'on n'a pas dans Craft Team Racing, par exemple, c'est le siège qui vole, là. Le siège qui roule, le siège qui vole, etc. Voilà, on a la baignoire aussi, parce qu'on a rajouté furniture. Donc effectivement, il y a des choses qu'on va pouvoir créer avec ça. Trop bien. Enfin, une baignoire dans le garage, la douche, je veux bien. La baignoire, ça fait un peu. Et on va pouvoir faire également, donc. De l'agriculture avec cette petite remorque là, ça peut être rigolo. Donc il y a pas mal de trucs qu'on peut faire. Voilà, donc ça c'est la workstation. Donc je rajouterai des éléments de décor. Donc là on a ce que tu connais très bien pour placer les véhicules et les customiser. Hop. Bien sûr. Tu rigoles. Alors je vais aller recharger un petit peu et je vais vite filer dans le Nether essayer de choper des blaze rods pour l'Ender. Il nous faut de la black pareil. Pool. Il va falloir qu'on refasse un sol de perles de l'Ender pour pouvoir les récupérer aussi. J'en ai okay. Je me demande si un farm block avec des perles de l'Ender, je peux le faire ou pas. Je me demande si j'ai compris des perles de lait. Mon visage. Un petit yaourt. Ok, let's go. Alors, il y a une forteresse. Je veux faire des boutons de couleur. Pourquoi tu veux faire des boutons de couleur? Pour qu'on ait du noir et d'autres couleurs. Pas besoin. Pas besoin? Ah non, on a 15 000 laine.
On a 15 000 trucs de couleur. Ah oui, je vous avais pas montré ça, parce que Az ne s'était amusé à faire ça, voilà. Alors peut-être pendant le live, vous l'aviez vu, mais en vidéo, il l'avait pas vu. Ce serait de le montrer, voilà. C'était Az n'y s'est amusé, voilà. C'était alors pas besoin. Putain, de forteresse à moitié complète, là. Oula. Et c'est ça, c'est qu'on a les creepers. Alors ça, ça donne quoi, ça? Merde. J'avais oublié à quel point il faisait mal. Hop là, hop là, hop là. Ouf. Ça va être la mort, non? Ah, c'était pas loin. Ah oui, oui, oui. C'était pas loin, puis j'ai pas d'eau sur moi. What the hell? What? Mais c'est quoi ici? C'est les enfers. Oh, c'est ah un... bah... Ça... bah, c'est un spawner, mais pas des spawners à Blaze. C'est des spawners à tout ce que tu veux. Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas cette structure, mais je connais pas du tout cette structure. Ah ouais, ils sont assez vénères, ouais. Alors par contre, c'est quoi ce... Oh putain, il m'a fait peur ce con. De la bouffe, t'as tout ce qu'il faut, ouais. C'est quoi ce 22 écrit n'importe comment, là? Ils sont malades. C'est un code, tu crois? Moi, du coup, je vais faire de la pêche. C'est le bordel! Putain! Et chacun son tour, on tombe Tommy, sur, viens on tombe m'aider. Sur le micro, hein. Ouais, j'arrive, j'arrive, je recharge mon jetpack et je suis là. Non, mais tout de suite, dépêche-toi, il va mourir. Non, je vais pas mourir. Retiens la mort alors. La pousse, il a beaucoup de vis, quoi. Non, mais je peux essayer, mais Tommy, à un moment donné, mes pouvoirs ont des limites, hein. Oh. J'ai trouvé un donjon particulier, à mon avis, il y a peut-être moyen d'y trouver des blazes. Tiens, viens voir Tommy. C'est juste ouais. Là. Alors, le problème, c'est que j'ai pas trouvé un seul blaze. Alors, il y a des coffres partout. T'es pas maintenant, hein, parce qu'il est en vol. Hein. Non mais t'inquiète. T'as vu les trucs? Ah oui. J'adore, oula, il ah oui. TP-toi à moi, mais il est en plein au-dessus d'un lac, ah, de lave. Ah, c'est des trucs de... Il y a des trucs à Wither Skelet aussi. Ah, des blazes, yes, ouais. Ah bah vas-y, stop, hein. On va mettre un point de spawn ici et... Ouais, ouais. Ne surtout pas casser ce spawner. Alors, par contre, casser les autres spawners. Parce que peut-être que ça... Ouais, ça c'est un truc à squelette. Hop. Faudrait voir si... Alors... Ah ouais, il y a des spawners de blaze un peu partout. Je vais essayer de les emmurer. Ouais, merci pour le follow. Aussi, ouais. Ah merde, mais j'ai pas mon inventaire. Bon bah attends, je vais les emmurer. Attends, tu veux des blocs? Ah, t'as un truc, t'as une farm à Wither Skelet aussi? Ouais, ouais, elle est juste derrière. Ah bah super, tiens. Tu les emmures aussi. 64 blocs. Parfait. Merci mec. On va les bloquer un peu. Tu mets pas un blaze dans le farm à mob? Ah si, mais après. On n'a pas... Pour l'instant, on sait rien. Notre farm à mob, elle est pas assez grande. D'accord. Elle est pas assez haut level pour l'instant. C'est une farm level 1. Faut que je la passe au moins au niveau 2. Mais là, c'est pour au moins avoir un peu de ressources vite fait. Et après, je vais en faire des plantes et je vais les farmer. Et du coup, on sera tranquille. Ouais, moi aussi, j'ai au moins 3 spawns là. Hein. Voilà, bah parfait. On les a emmurés. Comme ça, on a notre petit truc. Si jamais on a besoin de blaze et tout, on peut aller les choper ici. Bon, retour à la base. Retour à la base, ouais. Il va nous falloir plein de blaze road. Hein. Après, si tu veux en farmer encore plus, Tommy, tu peux. Hein. Alors, hop. Fluid mixer. Voilà, on a le fluid mixer. On a toutes les machines dont on a besoin, même s'il va falloir maintenant beaucoup d'enderpearl. Alors, enderpearl, pas de problème, parce qu'on a des ender lily. On va refaire un gros champ d'ender lily et basta. Sachant qu'après, je vais passer la ferme moot. Alors, à mon avis, dans le prochain épisode, je vais passer la ferme moot en tier 2. Pour qu'on puisse justement avoir les Enderman, les Blaze.